Today is between Master and Disciples, Louise Lato, a 19th century Waterian, will be presented in French, with subtitles in Arabic, Olaxis or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Dans les Saintes Écritures, le corps humain est souvent décrit comme étant le temple de Dieu. Mais le fait que l'âme parvienne à avoir une demeure sacrée qui héberge le divin est là un privilège rare. En effet, renaître en tant qu'être humain est une vraie bénédiction. Sur le même thème, et à de nombreuses occasions, le Maître Suprême Ching Hai a parlé de la rareté de ce phénomène. To be reincarnate in the human world is hard. You have to have enough human quality. You have to have affinity with the parents, yeah, and with the society, with the people around which you were born. And very difficult. To be a human, you need some merit. You have done something good in the past in order to be able, yeah, to be able to pick a human birth. Le corps humain est le temple vivant de Dieu, et il est donc équipé de nombreux miracles qui peuvent être réveillés chez ceux qui sont tournés vers la spiritualité et ont une foi complète dans le Créateur. Inedia est un mot d'origine latine qui signifie jeûner. Il décrit le fait que l'homme peut vivre sans nourriture. En effet, depuis la nuit des temps, il existe des individus qui peuvent se nourrir de prana ou énergie vitale. La grâce de la Providence fait ces êtres qui vivent sans s'alimenter se nourrir de l'énergie de la nature. They live on the chi from the ground, or from the forest, and from the sun and from the air. They make use of all that. Or they live on love, on faith alone. Ces individus qu'on appelle aussi respiriens, solariens, ou ceux ne se nourrissant que d'eau, viennent de tous les milieux, toutes les cultures et des quatre coins du monde. Les possibilités et les miracles que notre bienveillant Créateur a conçus pour nous sont vraiment illimités. Il ne tient qu'à nous, les enfants de Dieu, de nous connecter à notre vraie nature en nous pour recevoir ses nombreux présents. Le Maître Suprême Ching Hai a affectueusement conseillé une série hebdomadaire sur Supreme Master Television pour présenter ces individus du passé et du présent qui ont choisi de vivre sur Terre sans s'alimenter. Nous espérons que ces histoires spirituelles vous passionneront. Puissent vos cœurs être ouverts et vos horizons s'élargir. Retrouvons à présent le sujet du jour intitulé Louise Lato, une femme du 19e siècle qui se nourrissait que d'eau, dans Entre maître et disciple. Cette émission porte sur la possibilité du respirianisme, ou vivre sans nourriture, et n'a pas vocation d'enseigner cette pratique. Pour votre sécurité, ne tentez pas d'arrêter de manger sans être guidé par un expert en la matière. Bonjour téléspectateurs héroïques, bienvenue dans Entre maître et disciple sur Supreme Master Television. La semaine dernière, nous avons visité l'Italie du XIVe siècle pour nous pencher sur la vie de Sainte Catherine de Sienne, qui a vécu sans s'alimenter pendant plus de 8 ans. Aujourd'hui, remontons le temps de 500 ans, pour nous rendre en Belgique au 19e siècle, nous y explorerons la vie de Louise Lato, une femme qui s'est nourrie uniquement d'eau et d'énergie cosmique pendant 12 ans. De nombreux médecins, scientifiques, professeurs, évêques et hommes du clergé ont vérifié sa capacité à vivre sans s'alimenter et ses stigmates.
qui sont des marques corporelles ressemblant aux blessures infligées à Jésus lors de la crucifixion. Concernant son inédit, Pamela Ray Heath, l'auteur du livre de Peak et Zong ou le domaine de la psychokinésie, a écrit au sujet de Louise. Elle fut examinée par des médecins qui n'ont pu trouver aucune preuve pour contredire le fait qu'elle n'avait pas mangé depuis 1871, et ce jusqu'en 1876, date à laquelle ils ont publié leur rapport. Et il en fut de même pour les 6 autres années qui suivirent. Qui était Louise Lato? Quel genre de vie a-t-elle menée? Rendons-nous en Belgique au 19e siècle pour le découvrir. Louise Lato naît le 29 janvier 1850 à Boaden, en Belgique. Elle est le 3e enfant de Grégory et Adèle Lato. Son père est un honnête homme et un travailleur assidu. Hélas, 3 mois après la naissance de Louise, il contracte la variole et décède, laissant derrière lui une femme malade et 3 jeunes enfants. La mère de Louise est à l'époque alitée, pour se remettre d'un accouchement difficile qui a failli lui coûter la vie. La sœur aînée de Louise, Rosine, a alors 3 ans, et son autre sœur Adeline n'a que 2 ans. Aucun voisin ne les visite pour leur apporter de l'aide, car ils redoutent de contracter la variole. Un jour, Louise attrape aussi la maladie de son père. Et Rosine, âgée alors de 3 ans, s'active de son mieux pour s'occuper de sa mère et de Louise. Par chance, un ouvrier appelé Francis Delalieu leur rend visite 12 jours plus tard et découvre leur dénuement. La nourriture manque et Louise se meurt. Il envoie alors chercher de l'aide et prend soin de la famille jusqu'à ce que la mère guérisse complètement, soit 2 ans et demi plus tard. Une fois remise sur pied, la mère de Louise se remet immédiatement au travail pour subvenir aux besoins de ses 3 petites filles. Et dès qu'elles sont en âge de le faire, les 3 sœurs participent en se chargeant des travaux ménagers. Quand elle a 8 ans, Louise s'en va travailler pour le compte d'une femme âgée grabataire. À la même période, elle parvient à fréquenter l'école durant 5 mois et y apprend à lire et à écrire sommairement. À 11 ans, elle part pour le village de Manage afin de s'occuper de la tante de son père, la veuve Coulon. Après le décès de sa tante, 2 ans plus tard, elle part travailler au service de Madame D à Bruxelles. Mais elle n'y travaille que 7 mois, car elle tombe malade et doit donc retourner chez elle. Une fois que Louise retrouve la santé, elle repart travailler, mais dans une petite ferme de manège, jusqu'à ce qu'un jour sa mère la rappelle pour travailler à la maison comme couturière. Louise a fait bonne impression à ses employeurs. Madame D a un profond respect pour elle et lui rend visite dès qu'elle a l'occasion d'être dans le voisinage. D'après le récit de Dr Lefebvre, un des plus éminents médecins en Belgique, qui était aussi professeur de pathologie et thérapeutique à l'Université catholique de Louvain, Louise a toujours fait preuve de courage dévoué, de travail patient